Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team Dada au grand complet pour vous commenter ce match avec vous, donc pour vivre cette rencontre qui promet un beau spectacle si l'on regarde la feuille de match. Queen's Park Rangers contre Northampton Town. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la team Dada, mais il vous manque encore 1% pour être majoritaire, hein. On va regarder la composition de cette formation. En 5-3-2 ou en 3-5-2, ça dépend du point de vue et aussi surtout des intentions et des désirs de l'équipe. Les 11 titulaires de cette équipe. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. Et donc début de cette première période. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Avec un peu d'espace sur les côtés. Ah, le centre, il y a du monde. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Et la défense s'en sort. Le ballon change de camp. Bon ballon en profondeur. Bonne prise de balle sur cette action. Et non, le ballon est perdu là. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Et le centre est détourné par la défense. La frappe. Vraiment pas de danger sur ce ballon, c'est pour le gardien. Le ballon en touche. Roberts. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Une attaque et le danger se rapproche. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Ouais, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Oui, corner. C'est bien parti pour ce corner. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé.
Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ah, le centre s'arrête sur le premier rideau défensif adverse. Et c'est le but ! Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Donc au tableau d'affichage. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Il frappe. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. La possession change de camp. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Vraie faute, et l'arbitre là qui indique un coup franc. Oui, la frappe, le corps en opposition, c'est pas fini. Le gardien repousse, et attention ce ballon qui traîne. Et ça passe très loin du cadre. Même vous, Omar, avec un tel angle, vous n'avez jamais marqué. Vrai, mais dans un tel angle, la frappe, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Andersen. La frappe au but, c'est pour le gardien, sans problème. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Contré sans difficulté. Ah non, et cette volée manque la cible. L'idée était bonne, mais pour une reprise des volées, la coordination du corps, l'équilibre doit être parfait. Sinon, voilà ce qui arrive. Oui, le duel est remporté. Touche. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Oui, c'est contré. Bonne défense. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum.
Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, bien fait, il est passé. Ah, la défense est battue. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Ouais, bien joué, le duel est remporté. Ballon à jouer pour profiter du couloir. Et attention à cette frappe. Facile dans les bras du gardien. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Aïe, 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 le ballon complètement dévissé, ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Dépossédé du ballon. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. En bonne position pour frapper. Oh, c'est manqué de quelques centimètres ce tir placé. Il s'en est fallu de très peu, hein, malheureusement. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Oui, la belle incursion là. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Oui, c'est bien servi. Et c'est une frappe! Oui, bien fait de la part du gardien. Alors, un peu de fraîcheur avec ce remplacement.
L'équipe essaye un corner à deux. La frappe. Ah, le ballon est contré. Super progression dans la moitié adverse. Ouais, ballon pour une frappe. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien mis la frappe. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ouais, bonne agressivité à la récupération. On le voit, la possession est assez équilibrée. Les séquences de jeu s'alternent très bien. Il y a les fleurs, la nappe et la vaisselle, le poulet du dimanche. On assiste à un magnifique festin du football pour tous les invités. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Corner et une opportunité de passer devant au score. Le corner bien tiré. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Très bonne intervention, sans faute. Très peu de temps encore à jouer et le but du chaos se prépare peu et le gardien à la parade. Allez, c'est pas terminé ce corner, c'est une occasion de but, une occasion de départager les deux équipes. Corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Et une occasion de contre à négocier. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Cette attaque peut être décisive. Un but maintenant et c'est fini. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Andersen. Bien défendu, sans faute. Le tir, ah non, c'est contré. Le tir est puissant, mais le 1 contre 1 est perdu. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. Voilà, changement donc. Cinq minutes de temps additionnel. Le ballon est intercepté.
Et ballon dans la profondeur. Là, il était dangereux ce ballon, malheureusement personne pour venir couper la trajectoire. 20 minutes réglementaires et pas de vainqueur à l'issue des 90 minutes.